49e jour de vie dans la ferme du Sulu Nyala. Ce soir, c'est le grand soir. Ce n'est pas un, mais deux fermiers qui vont quitter l'Afrique. La finale approche à grands pas et seuls les fermiers les plus forts iront jusqu'au bout de l'aventure. Cette semaine, les quatre nominés sont Michael, Franky, Kelly et David. À travers ces nominations, deux clans s'affrontent. D'un côté, David, Greg, Surya et Kelly. Et de l'autre, Michael, Franky, Hermine, rejoint par Claudette et Christophe. Le clan de Michael a une longueur d'avance sur David. Regardez-moi cette brochette de losers. Ils ont peur de me défier. Par contre, toute la journée, ils disent que j'ai peur de les défier. Michael a obtenu les nominations dont il rêvait. Michael, Franky contre David et Kelly. J'ai réussi à faire de ma stratégie la number one. Le roi David est mis en échec par le jeune fou Michael. Et pourtant, David a tout fait pour se protéger avec ses pions. Je t'échange Kelly pour Franky. C'est une touche froide pour David, dont la nouvelle stratégie est le chantage. Maintenant, si vous ne mettez pas la douche et je ne peux pas prendre une douche, eh ben, il n'y a pas de problème, je ne fais pas l'activité ce soir. Le face-à-face, Michael David va monter d'un cran lors d'un défilé de mode chic et choc, signé Christophe. Comment les quatre nominés vont-ils prouver qu'ils ont toujours leur place dans la ferme? Oh, j'ai grandi avec vous ici. Pardon. Désolée. Kelly est perdue. Elle ne sait plus à quel saint se vouer. Qui choisira-t-elle, David ou Michael? C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, l'Afrique, c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur stand? Leur sort est entre vos mains. Bonjour à tous et bienvenue dans la ferme célébrité en Afrique du Sud. Ce soir, c'est le grand soir pour les quatre nominés. L'enjeu est énorme, il est colossal puisque deux candidats vont quitter la ferme. C'est à vous de décider, à vous de voter. Vous appelez le 3980, vous envoyez un pour David, deux pour Michael, trois pour Kelly, quatre pour Franky par SMS 72500 et toujours 2000 euros à gagner après tirage au sort. David et Michael ont bien compris qu'à l'issue des éliminations, un clan pourrait se retrouver en voie d'extinction. À quelques heures du prime, le face-à-face n'a jamais été aussi tendu. La moindre étincelle pourrait faire tout péter un peu comme au 14 juillet, vous voyez ce que je veux dire? Ils ne sont d'accord sur rien, à part peut-être sur deux choses. 1. Critiquer tout ce que fait l'autre. Et 2. Retourner le cerveau de Kelly à intervalles réguliers. Un peu comme une tarte tatin, sauf qu'à force de la prendre pour une pomme, eh ben Kelly est complètement perdue. Pire, elle est caramélisée. Et enlever toutes les illusions à Bambi, franchement, c'est moche. Oui, c'est ça, c'est moche. Très moche. Depuis les nominations, deux clans s'affrontent dans la ferme. Le clan du travail et de la stratégie avec David et Greg, face au clan de la bonne humeur et de la fête avec Michael et Franky. Mais l'avenir dans la ferme appartient-il vraiment à ceux qui se lèvent tôt? Dans la nature, ces vaches, s'il n'y a personne pour les faire, elles font comment? Aucune idée. Ça s'est vécu tout seul? Demande à Michael. Ah, il s'y connaît tellement bien. C'est vrai que c'est un grand spécialiste en traître. En traître, ouais. Elle est où, Kelly? Kelly, je sais pas. Bad mood.
petit peu en bad. Je pense que c'est important pour moi de parler. Ça me permettrait un peu plus de, je pense, de me resituer par rapport à tout ça, tout ce qui s'est passé, ces histoires de clans. Mais moi, je te dis, hein, si Greg est pote avec David, c'est pas pour rien. C'est que, comme je t'ai dit hier, c'est que Greg s'identifie aux idées de David. Et si David est Machiavel, c'est que Greg est aussi Machiavel. Je pense pas. Greg, je suis convaincue que non. Bah ouais, mais le problème c'est que moi je suis convaincu que oui, et que vu que toi t'es perdu, que tu t'en rends pas compte qu'il te manipule, et que moi j'ai un avis extérieur à toi, donc je vois les choses que toi tu ne vois pas. Je pense qu'ils te font peur, c'est pour ça que tu évites de les casser ou t'évites de te rebeller, tu préfères rien dire. Mais Kelly, qu'est-ce que je peux faire? Mais quand je la vois, Kelly, je me dis, mais je fais quoi pour son cas? On peut plus rien faire pour elle. Elle est désespérée. Elle sait plus où elle est perdue. Et si elle est perdue et qu'elle s'en rend pas compte que David la manipule et que Greg se fout littéralement de sa tronche, c'est que je peux plus rien faire pour elle. Et elle comprend toujours pas. Ouais. On peut plus rien faire pour elle. La pauvre, elle est naïve comme tout. Elle croit à tout ce qu'on lui dit. Et même Greg, David m'a dit en face de moi, il m'a dit Kelly, j'en fais ce que j'en veux. Moi, j'aime pas ça, moi, qu'on fasse ça à Kelly, toi, ça me fait de la peine pour elle. C'est qui les requins pour toi? Michael, quand même, même s'il est sympa, je pense qu'il a quand même sa stratégie. Mmh. Et. Du coup, j'ai cru que j'étais le seul qui avait une stratégie. Mais je suis content qu'on s'est retrouvés et que. Mmh. Et que t'es. Que tu es toujours avec nous, que tu nous crois, parce qu'on ne veut vraiment pas te faire du mal. On est ensemble depuis le début. Et on est ensemble depuis le début. Hein. J'aimerais finir ensemble aussi, mais voilà. Je veux dire que. Bah, peut-être qu'on va finir ensemble vendredi soir. Ouais, grave. Aujourd'hui, je sais qu'elle peut avoir une discussion et qu'elle peut se. Elle peut se bagarrer. Et je sais que. Elle a ça en elle maintenant. Et je sais qu'elle peut se défendre. So deep. Into my soul, where nobody goes, so where the birds, where the mountains can fly, and I can finally cry, and lay next to my soul, and I can finally cry, where nobody goes. Swim with the birds. Where the mountains can fly, and I can finally cry, and lay next to my soul, where nobody goes, swim with the birds. Attends, l'autre David, il dit bien, je vais te parler et tout, je vais te faire swim with the birds, et puis ça y est, elle est convaincue. Il est con. Là, c'est de l'humour, ça, c'est pas mal, ça. I swim in the birds. Swim with the birds where the mountains can fly. And I can finally cry and lay next to my soul. I swim in the birds. I hope papa, papa. Teddy, je t'aime à mort. À mon totor. Je ne supporte pas son comportement de loser. Donc je suis obligé de le casser. Pour moi, ça me fait vraiment du bien de faire « I swim in a bird ». Je suis un gros raté. La personnalité de David, c'est que pour moi, il a un comportement et une attitude de raté. Voilà, c'est un raté. Voilà. Toi, Grèche, tu sais mieux s'il fait que chanter. Elle est là. « I swim in a bird, je suis un cassos. » Social. T'es un cas social. Toi. Non, on dit cassos. Cassos, c'est plus ça. Je pense que quand je chante sa chanson, finalement, c'est moi qui m'en sors mieux que lui, parce que ça devient comique. Que lui, quand il commence à chanter ses musiques de lover, alors qu'au fond de lui, sa personnalité, c'est un destructeur, un machiavélique, bah forcément, ça tue le charme. Moi, personnellement, si je le vois chanter sa musique de lover, ça me fait sourire, parce que pour moi, c'est tout sauf un lover. I swim in a bird, je suis un gros raté. C'est trop dur pour moi la vie. Na 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 na.
Michael aujourd'hui. Il voit qu'on réagit plus à ses provocations et ses choses et ses façons d'être. Et maintenant, ça lui rend un peu fou, on va dire. C'est comme s'il n'existe pas. Cette semaine, les fermiers se sont affrontés pour devenir vétérinaires de brousse. Greg et Velvet ont surmonté toutes les épreuves. En manipulant les serpents africains, ils ont gagné leur ticket pour cette aventure captivante. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Olivier les emmène au cœur de la savane pour devenir vétérinaires de brousse. Dans les réserves, parfois, il arrive qu'une certaine espèce soit trop nombreuse. Et là, sur cette réserve ici, il y a beaucoup trop de Nyala. Voilà le fusil épodermique qu'on va utiliser. Il va falloir faire preuve aussi de calme, de silence total durant cette opération et être assez rapide. À peine parti à la recherche de Nyala, surprise, l'œil vif de Greg repère au loin un rhino. L'animal, habituellement dangereux, semble doux comme un agneau, mais méfiance. Je dois dire que c'était assez impressionnant de s'avancer près de lui, de le toucher, d'avoir la chance de pouvoir le caresser et même toucher sa corne et tout ça, de lui donner à manger à la main parce que j'ai réussi à lui donner à manger. C'était comme je suis dans le Jurassic Park parce que des rhinos, c'est exactement comme un dinosaure. Et je suis honorée d'être aussi proche. Parce que même Olivier avait dit qu'il n'avait jamais été aussi proche d'un rhino. Nous avons touché, nous avons caressé. C'est quelque chose que je ne veux jamais, jamais oublier. Le rhinocéros ne voit rien. C'est pourquoi il est considéré comme dangereux. Parce que quand on s'en approche, comme il ne voit rien, il charge assez rapidement. Et vous avez vu la taille du bestiau. Même là, tout proche de la voiture, c'est quand même assez sérieux. But he's so sweet, his little eyes. Okay, no, don't worry, don't worry. Don't worry. Don't rush. En fait, il est en train de jouer avec notre véhicule là. Et c'est le moment de bouger. Là, tu sens une bestiole de 4 tonnes qui se colle contre une voiture qui en fait même pas une. La voiture, ça la scope un peu, mais non, c'était pas. À un moment, il a mis ses cornes, il a coincé ses cornes entre le pneu et la carrosserie. Et là, il se levait avant d'arriver à l'enlever. Il a levé un peu et tu sens qu'il y a de la puissance dessous. Hein. Après la pause rhino, les apprentis vétérinaires reprennent la route pour déplacer les Nyala trop nombreux dans cette réserve. Attention, le vétérinaire s'apprête à tirer un traqueur sur le Nyala. L'objectif ? Endormir l'animal et ensuite le localiser pour le sculpter. Une opération particulièrement délicate. C'est bon, il l'a eu. Ça va nous donner la direction en fait dans laquelle partir et puis après il va falloir se frayer un chemin. Ah, it's you. Elle est là. Where? Là. Oh baby. Donc là c'est le moment d'être un petit peu rapide en fait. Ok. L'important c'est de faire en sorte qu'elle respire. Je suis la dernière. Mais comment on est? C'était une mission excitante et agréable en même temps parce qu'il n'y a pas de violence, tu vois que le Nyala ne souffre pas, elle n'était pas vraiment endormie, elle était semi-consciente, et elle était toute douce et on s'en est super bien occupé. Je vois que les gens qui étaient avec nous adorent les animaux et ne feront jamais rien de mal. Après une après-midi comme celle-là avec les vétérinaires de l'extrême, je retiens une grande leçon d'humilité, une grande leçon de vie et un grand bonheur d'avoir pu partager tout ça avec eux et d'avoir été à l'écoute et d'avoir pu les aider un petit peu à faire tout ça parce que c'était quand même... c'était fantastique, je trouve. Oh, baby. C'est la semaine de tous les exploits. Les célébrités dévoilent tous leurs talents. Et aujourd'hui, Christophe a décidé d'offrir un défilé de mode aux nominés. Christophe sort sa griffe. Aujourd'hui, je vais créer des vêtements pour les 4 nominés afin de réaliser un petit défilé qui peut être très sympa et très drôle. Et j'espère que tout le monde va jouer le jeu parce que c'est un cadeau que je fais aux nominés en essayant comme ça de leur remonter le moral et de leur faire passer un bon moment un peu drôle où ils sont mis en valeur. Moi, je ne fais pas ça. Et Chris, rien contre toi, mais je ne veux pas faire ça, moi. Ouais. Je ne veux pas te faire défiler
Rien contre toi, hein. C'est pas parce que ton travail et tout ça. Pas de problème. Non, c'est juste. Je peux porter quelque chose. Ah non, je peux porter, mais j'ai pas envie de faire un défilé, moi. Ouais. Un peu comme moi. C'est vrai que si je m'attendais un petit peu à l'attitude de David sur le refus de défiler, je suis un peu déçu dans mon fort intérieur en me disant bon, il passe à côté de quelque chose. Peut-être que j'arriverai à le faire changer d'avis quand je lui montrerai ce que j'avais prévu pour lui. Je veux pas le faire aussi. Hein. Non, parce que je trouve ça un peu. Hein. Beau gossité qui veut pas. Mais ça n'a rien à voir, Claudette. C'est joli. Faut juste réfléchir. C'est-à-dire qu'ici, on est dans une ferme, on n'est pas au top de la ferme. Oh, réfléchir. Mais oui, mais attends, si j'ai pas envie. Pourquoi tu te mets dans mon cerveau? J'ai pas envie. T'es pas obligé d'être désagréable. Non, pour moi, c'est désagréable quand je dis non. Pourquoi t'as pas dit et David là? Pourquoi t'as pas parlé oui, à David? Je lui dis, parce que moi, je le dis correctement et gentiment. C'est ça la différence. J'ai dit gentiment, j'ai dit, je pense comme David. Moi, je manque pas de respect à une femme. Mais toi, tu sers à rien, t'as un relance. Parce qu'elle est vraie. Ben, bonne journée quand même, et ne viens pas me parler. Claudette, j'espère que tu n'as pas pris mauvais de mon côté. Non, pas du tout. Parce que je ne te manque pas du tout de respect. Non, non, non. Je ne suis pas dans mon cerveau réfléchi comme si je suis une irréfléchie. Mais oui, pourquoi j'ai tu n'as pas de cervelle. J'ai pas envie, j'ai pas envie. C'est mal dit, c'est tout. Ah ben, j'ai pas envie, on ne se mêle pas de mes affaires. J'ai pas envie. Directement qu'il y a une petite faille avec Claudette, directement qu'il y a une petite dispute, et ben David profite de cette situation pour essayer de récupérer Claudette dans sa poche. Voilà. Mais c'est tellement ridicule que tout le monde le voit, donc. Et il y a quand même Claudette qui rentre dans son jeu. Moi, quand je dis non, je vois pas pourquoi Claudette. Tu vois, quand je suis pas d'accord avec toi, je te le dis. Ouais. Non, mais c'est quoi le conseil? C'est d'aider Christophe, c'est ça? Mais oui, il faut le donner un coup de main, il faut défiler. Ah, tu veux que je défile? Mais oui. Tu verras, si tu le sens, tu le fais, si tu le sens pas. Non, ça n'a rien à voir avec ce que je vais porter. Ouais. C'est à voir qu'on est dans la ferme, mon gars, il y a de la boue partout. Donc si tu le sens... Si et moment... le défilé a lieu sous le ponton. Là, j'ai échoué un peu trop long pour me coiffer et tout, il faut que j'y aille. Mais il est pire qu'un mannequin, il se prend la tête. Non, rien à voir. C'est quoi, tu te prends la tête? Moi, je me sens pas mannequin. Un mannequin, pour moi, c'est un mec qui réfléchit pas, qui défile. Voilà. Voilà, c'est ça. Non, t'as pas moi, fait je me vois pas comme ça, non plus, hein. Tu as fait comme une gonzesse à l'arrivée. Non, mais je me vois pas comme ça, moi. Moi, je me vois acteur, toi. Moi, personnellement, j'ai rien contre Christophe, mais voilà, défiler, ça m'amuse pas vraiment. J'ai l'impression d'être un objet qui porte des vêtements et qui n'a pas de personnalité. Donc, le mannequinat, c'est pas mon truc du tout. Je préfère avoir des choses à dire que plutôt me faire passer pour un homme qui porte juste des vêtements, qui n'a pas de personnalité. Je vais le faire parce que je me prends pas au sérieux. Voilà. Ah, oh, ça c'est une bonne phrase. Ça. Ah. Ça c'est the phrase. Non mais c'est juste que sur le moment, des fois, bah, j'ai... Parce qu'il va faire un défilé, s'il y a deux personnes, trois, ça donne déjà une allure. Tu comprends? Non mais des fois, on me propose une idée, mais je dis pas oui tout de suite. J'ai besoin d'un moment de réflexion. Moi, j'ai changé d'avis. J'ai envie de faire le défilé ce soir avec Christophe, parce que voilà, déjà par respect pour Christophe qui est un styliste, et aussi je vais le faire d'une manière sous le ton de la plaisanterie. Je vais peut-être passer une bonne soirée à faire ça. Je vais m'amuser. Je vais défiler ce soir. Ah, c'est bien cool. Non, c'est juste que des fois il y a des choses que j'apprécie pas, et j'ai besoin de temps pour réfléchir. Hein? Ouais, mais c'est marrant, ça peut être drôle. Ouais, ça peut être drôle. Et toi, moi, par contre, à d'autres maisons, j'ai envie que tu défiles parce que tu as la taille de... Tu sais, les mannequins hommes ne sont pas grands. Ils font 1m75. Juste quand il y a quelque chose que j'aime pas, je déteste qu'on aime s'interposer dans... Ça, je ne supporte pas ça. Là, je veux qu'on me laisse réfléchir tranquillement seul et je veux pas qu'on m'impose un truc que j'ai pas envie de faire. Et tu fais un truc sexy, beau gosse, voilà, un truc qui tue, hein. Un truc qui tue, ok? Au top, hein. Ok. Voilà, merci. Dans l'eau, t'as marqué piste. Ah, super. Eh, franchement, j'adore ta tenue. J'adore. Ce soir, deux fermiers quitteront définitivement l'aventure. Il est temps pour les quatre nominés de défendre leur cause à la tribune des nominés. Un discours particulièrement important à quelques heures du verdict. Bah, écoutez, c'est la troisième fois que je fais un discours. Ça fait la troisième fois que je suis nominé. Donc je commence à avoir un peu
l'habitude. Et je pense que j'ai encore des choses à prouver auprès du public. Et voilà, je vais me battre jusqu'au bout et attendre le résultat vendredi. Et en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir rencontré certaines personnes dans la ferme. Même si on a des personnalités un peu différentes qui fait qu'on s'embrouille. Et je sais que je suis un peu responsable de ces tensions parce que c'est moi qui provoque dans l'histoire. Donc je tenais à m'excuser auprès de certains candidats à qui j'aurais pu peut-être faire du mal. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Des fois, on a tellement de tensions que ça part tout seul. Et voilà, donc sachez qu'il faut se battre tous. Et moi, je suis là pour me battre et j'ai envie de gagner. Donc voilà, bon courage à vous tous. Bravo. J'ai trouvé le discours de Michael bien. Et j'étais content d'entendre des choses positives de sa bouche. Et voilà, ça fait du bien d'entendre ça qu'entendre des autres choses. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc c'est peut-être mon dernier discours, la dernière fois que je m'adresse à vous tous en même temps. J'ai quelques petites choses à vous dire. C'est peut-être comme un pré-au revoir, j'ai envie de dire. Bon, j'ai pas envie que ce soit le cas, bien entendu, mais sachez que cette nomination... Merde. Prends ton temps, respire. Prends ton temps, la vie est belle. Respire. Respire. Respire, la vie est belle. Ça va aller, chouchou, t'es pas parti encore, hein. Oh. Respire. T'es là, non? T'es toujours dans notre corps. Lâche rien, t'es pas parti, hein. Bon, bah, cette nomination, en fait, je la prends avec beaucoup plus de recul que la première. Parce que tout simplement, je voulais vous dire qu'ici, vous avez assisté à ma renaissance. J'ai grandi avec vous ici. Et je voulais que vous le sachiez tous. Pardon. Je suis désolée. Moi, ça va. Mais je tenais vraiment à vous dire tout ça parce que ici j'ai vraiment changé, j'ai appris la vie, j'ai grandi à vos côtés vraiment. Et bon, il y a eu des conflits, il y a eu un peu des embrouilles, des petites merdes quoi. Et si je pars demain, sachez que vous m'avez tous apporté et appris quelque chose, tous. Et j'ai ouvert mon cœur à tout le monde. Vraiment, voilà. Et que je voulais dire, je crois que c'est tout. Et bah voilà. Quand j'ai vu pleurer Kelly, bon, j'avais envie de lui dire, bon, ben tout va bien, de la rassurer, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau depuis quelques jours, hein, et puis la nomination tombe sous la tronche, comme on dit, et donc forcément, elle n'est pas bien et. C'est vrai que ça m'a beaucoup touché. C'est la première fois que je fais connaissance avec cette expérience. Et là, avec vous, je fais ample connaissance. Il y a beaucoup d'ingrédients qui pourraient m'amener à être très déçu par l'espèce humaine. Nous sommes entourés d'animaux. Heureusement qu'ils sont là parce que ça nous fait une santé. Ça nous permet de prendre du recul quand on les regarde vivre. Et quelquefois, je regarde les humains qui vivent ici. Et parmi ces humains, les animaux sont peut-être plus diplomates. Et là, je suis dans cette expérience en tant que vainqueur. Alors, j'entends des gens dire qu'ils sont là, qu'ils ne veulent pas gagner. Moi, ça me fait rire. Sache une chose, et j'ai aucune raison de mentir sur ça, c'est que je ne veux pas gagner ce jeu, ça m'intéresse pas de gagner. En tout cas, ton association, ça l'intéresse de gagner. Hein. Si on vient dans une expérience pareille et on passe 2 mois, voire 2 mois et demi, eh bien, c'est pour gagner. À partir de là, si on ne vient pas pour gagner, c'est qu'on ne devrait pas être là. Tout simplement, ça c'est mon avis, c'est personnel. Pour moi, le discours de Francky était sincère, honnête et carré. Francky m'a épaté parce que il a critiqué en finesse, voilà, certains candidats comme David et Greg. Donc oui, il a su se moquer d'eux tout en étant en finesse. C'est ma deuxième fois d'être nominé à la ferme célébrité. Et sachez que je suis là ce soir pas pour me vendre, mais pour peut-être expliquer des choses.
Qu'est-ce que David va nous expliquer? Est-ce qu'il y a encore une stratégie ou est-ce une façon d'abattre cet adversaire? Est-il sincère? On ne sait jamais. Vous saurez tout cela dans un instant. Mais d'abord, je vous rappelle que deux des quatre nominés devront faire leur bagage définitivement ce soir. C'est donc extrêmement important. C'est à vous de décider, à vous de voter. Vous envoyez le 1 pour David, le 2 pour Mickaël, le 3 pour Kelly, le 4 pour Francky par SMS 72-500 ou sinon le 39-80. Toujours 2000 euros à gagner après tirage au sort. Dans un instant, Christophe prépare un défilé pour les nominés. Mais David a encore décidé de faire sa diva, c'est comme ça. Kelly reçoit un coup de téléphone qui va bouleverser toutes ses certitudes. C'est donc reparti pour un tour. Qu'est-ce que vous faites là, les tripés, là? Oh. On manifeste, on veut de l'amour dans la ferme. Ah, mais je suis désolé, mais la Saint-Valentin, c'est fini. Hein. Là, c'est plutôt la guerre, hein. Là, c'est le fight. Hein. Ouais. Bah alors, tu disparais? Bah oui, je peux faire ça aussi, absolument. T'as des effets spéciaux? Regardez. Hop, je me cache. Hop, je suis là, je ne suis plus là. Ah ouais, je suis là, je suis plus là. Ah, David Copperlouf, Benjamin Castaldi, la pub, allons-y, je suis plus là. C'est pourquoi Je suis fan de Francky Vincent, j'ai une chanson à lui proposer. Bah allez-y, je vous écoute. Tu pues du bec, tu pues du bec, tu pues, pu. Ouais, bon, c'est pas terrible, c'est pas tellement dans le tempo. C'est tu pues les becs, tu, hein, c'est même pas beau. Faut essayer autre chose que la chanson, hein. C'est Croque-Mort par exemple, hein, ça pourrait d'accord, marcher. D'accord. Ok, c'est la suite de la femme célébrité. Merci d'être avec nous ce soir, vous le savez. C'est le grand soir, ce n'est pas un, mais deux candidats qui devront quitter l'aventure. Pour David, Mickaël, Kelly et Francky, la pression monte évidemment à l'approche des éliminations. On aurait pu imaginer que les deux clans auraient déclaré une trêve, hein, pour fêter l'événement, profiter des dernières heures. Ensemble pour, je sais pas, dire des jolies choses, de l'amour et du bonheur. Pas du tout, pas du tout, c'est bien mal les connaître. Et c'est Christophe qui en fait les frais. Il prépare donc un défilé spécial pour les nominés en créant des modèles uniques avec ses petits doigts de fée. Il pensait faire plaisir, mais Christophe a oublié que dans David, il y a Diva. Alors que tout le monde en a ras la casquette de ses caprices, David se sent dans un mauvais jour. Et il décide de sortir le grand jeu. Alors, faux malin ou vrai vélo, ça se complique. Yo. Montrer qu'ils ont leur place dans la ferme, les quatre nominés défendent leur cause à la barre. Après Mickaël, plus joueur que jamais, Francky, la rage de vaincre, la belle Kelly en pleurs. C'est au tour de David qui a des révélations à faire. Moteur demandé, action! C'est ma deuxième fois d'être nominé à la ferme célébrité. Et sachez que... Je suis là ce soir pas pour me vendre, mais pour peut-être expliquer des choses. Il y a 2 ans, j'ai perdu mon joie de vivre. Et je ne voulais plus voir les gens, je ne voulais plus faire de la musique. Je ne voulais plus avancer dans la vie. Et j'avais vraiment besoin de quelque chose. Parce que j'avais le sentiment que ma lumière dans moi était éteinte. Et je me suis dit, peut-être que si je fais quelque chose qui est aussi dur que peut-être la ferme célébrité, peut-être que si je me retrouve en Afrique, peut-être si je retrouve des animaux, peut-être si je suis dans un endroit où je ne connais pas les gens, peut-être que je vais peut-être trouver ce recul. Et je dois vous dire à tous ce soir, même à Mickaël, même à Francky, même à Hermine, même si on a eu des difficultés, je vous remercie. Je vous remercie parce que je me suis retrouvé. Parce que maintenant, la lumière qui était plus là est là maintenant. Et j'ai envie de refaire de la musique. J'ai envie de gagner. Et j'ai envie de retrouver toutes les choses que j'ai perdues il y a 2 ans. Sachez qu'il y a des moments où on a tous passé du bon moment ensemble. Et je voulais vous dire ça c'est plus important pour moi que vous le sachiez que de me sauver ou de dire pourquoi je veux rester. Moi, je ne crois pas du tout. Ok. Merci. Moi, je pense que tu joues de la comédie, là. Merci, bébé. Moi, je pense que c'est de la comédie et qu'il n'est pas sincère. Encore une fois, la stratégie. Non, les 20 ans, tout est derrière. J'ai écouté et c'est de la stratégie. Il n'est pas sincère dans ce qu'il dit. Ah ouais, c'est un immense. Bah, j'ai trouvé que le discours de David était pas un discours sincère, mais plutôt un sketch. Voilà, il est arrivé sur le pupitre avec des mots écrits sur un papier. Et donc, lui, c'était un discours préparé, que nous, c'était quelque chose qui était
c'est que c'était que de l'improvisation. Pour moi, David, c'est un comédien machiavélique. Je n'ai pas été forcément touché parce que je trouvais que c'était un petit peu trop larmoyant, un peu trop. Ouais, enfin, je sais pas, c'était un peu trop. Il y avait un peu trop de grandes phrases et un peu trop de silence qui avait l'air d'être quand même vraiment d'à propos. Et ça m'a. Enfin, c'est vrai que j'y ai pas vraiment cru. Il essaye de te persuader par les émotions en essayant de pleurer, il fait de la comédie. Non, mais franchement, moi, j'ai grillé directement son jeu. Hein. Ouais, sachez une chose, que je suis là parce que ma flamme, elle s'est éteinte. Il a réfléchi pendant 2 heures pour faire son discours, là. Eh, j'ai grillé. T'as vu comment je l'ai grillé? Je dis, je te crois pas une seule seconde, c'est de la manipulation. Il essaye de nous persuader par les émotions. Oh, ça c'est grave. Quoi? C'est grave. Mais je l'ai tué en deux. Je l'ai tué en deux. Le fait d'avoir dit, je te crois pas une seule seconde. Ouais. Il est démasqué. Quand Michael taquine David, c'est pas de la gnognotte, hein. C'est de la provoque au top de la topicitude. Ça me fait kiffer à mort, puisque comme c'est un mec que je porte pas sur mon cœur, comme on dit, donc. Forcément, quand il me remplace à ce niveau-là, je trouve ça super, puisque moi, je ne peux pas me permettre de le taquiner, puisque je l'ignore. Mais tu as vraiment pas froid aux yeux. Toi ? Tu as vraiment pas froid aux yeux, t'es grave. Ce que j'ai fait, c'est la vérité, ce que j'ai dit. Et dis, je suis là juste pour reprendre goût à la musique. Tu trouves ça, toi, tu trouves ça... Non, pas à la musique, à la vie. C'est mieux que faire semblant, donc... Non, mais toi, tu fais de la comédie, c'est pas pareil. Ah oui, oui, bien sûr. Bah oui, moi, je me fais pas berner. Il vous essaye de vous persuader, l'arme du diable, tu la vois pas. Il a fait la même chose avec Kelly, c'est pour ça que Kelly, elle s'est fait influencer et qu'elle s'est fait manipuler par David. Parce qu'il essaye de vous toucher par la sensibilité. C'est différent de convaincre. Ça sent le faux, ça sent grave le faux. Tu l'as senti quand même. C'était pas sincère, Armine. Je suis pas dupe non plus. Voilà. Il a dû beaucoup réfléchir. Il a dû se dire qu'il a fait beaucoup d'erreurs et que c'est sa dernière chance de réparer tout ça. Et il fallait créer quelque chose et faire pleurer dans les chaumières et pleurer sur commande. C'est vraiment du Hollywood. Il pouvait pleurer sur commande, là. Allô? Ouais. Ça va? Ça va, petite sœur? Oui, grande sœur, ben voilà, je suis nominée. T'as plein de monde derrière toi. Hein. Moi, j'entends les gens qui parlent, tout ça. Ils disent, oh, Kélia, elle est mignonne, machin et tout. Donc, bon, t'inquiète pas. Hein. Par contre, Michael, bien. Il devient bien. Donc, voilà, c'est tout ce que je tenais à te dire. Parce que, bon, voilà. Je sais. Tu vois, le fait est, ben voilà, il est très très bien, mine de rien. Souhaitez-moi bonne chance pour demain soir, quand même. Et je vous embrasse. Merde, tous. Bonne chance et merde. Gros bisous à tout le monde. Merci, ma sœur. Ok, et puis bah, passe le bonjour à Michael de ma part. D'accord. J'ai eu ma sœur au téléphone qui m'a parlé de Michael. Je sais que c'est quelqu'un de bien, je le savais, parce que je l'ai découvert depuis bientôt à peu près 2 semaines. Mais à ce point-là. Qu'elle me dise ça, ma sœur, que je connais depuis toute petite. Il y a Anguille sous roche. Ma sœur, elle m'a dit que tu diras bonjour à Michael de la part de la grande sœur de Kelly. Pourquoi? Peut-être par rapport à tout ce que tu me dis. Bah oui, parce que j'ai ouvert les yeux. Légèrement m'interpeller, tu vois. Parce que j'ai voulu tomber. Hein. Oh. J'ai pris ça avec une grande fierté. Ça veut dire que ce que j'ai essayé de faire comprendre à Kelly, c'était vrai. C'est une victoire pour moi. En fait, c'est étape par étape, Kelly. C'est-à-dire la première étape, elle doute. La deuxième étape, eh ben, elle commence à comprendre. Et la troisième étape, elle est sûre d'elle. Voilà. Et je pense que là, on est à la deuxième étape. Sa sœur, elle a dit bonjour à Michael, il comprendra. C'est tout. Quand elle dit ça, ça veut dire que le soutien que j'ai eu pour elle, la sincérité que j'ai eu pour elle était vraie. Et que le soutien qu'ils avaient pour toi, David et Greg, n'était pas sincère. Ma sœur, je la connais très très bien. J'ai une confiance en elle aveugle. Et là, qu'elle me dise ça comme ça, là, c'est qu'il y a quelque chose que je ne dois pas voir. C'est forcément... Bah, c'est ça, quoi. Ce soir, le styliste Christophe Guillarmé présente sa nouvelle collection Zulunyala Printemps-Été 2010. Un défilé spécial pour les 4 nominés. Seulement, David n'a pas l'intention de défiler. Christophe le remplace au pied levé. Les autres fermiers vont le rhabiller pour l'hiver. Si tu préfères pas, c'est pas grave. Hein. Je vais mettre tes habits, mais j'ai pas envie de faire le walk-a-talk. Ok. Mais je peux mettre tes habits, y a pas de problème.
Et dans ce cas-là, si ça t'ennuie pas, je vais présenter la chemise noire. Fais-le toi. Non ? Si ça t'ennuie pas. Ouais. Avec notre cher David, en fait, on vit un peu une tragédie. C'est-à-dire qu'on sait toujours que l'issue sera fatalement négative. C'est-à-dire qu'il ne va pas apprécier ou que ça ne va pas être à son niveau. Enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu... Il n'y a plus de drame. C'est vraiment toujours dans la tragédie. Elle est où, notre truc ? L'autre chemise ? Ouais, de mon autre. Mais l'autre chemise, elle est plus... Je préfère la faire sur le podium. Mais tu m'as dit que tu n'allais pas le faire. Si, si, je vais faire. Moi, je vais présenter et je défilerai. Et toi, t'auras juste, si t'en tenais pas, à mettre ça comme ça, et je dirais que t'es habillé par moi. Et... Ouais, mais c'est ouvert, ça. C'est pas ouvert, ça, pour moi. Ah, c'est trop en V ? Ouais, c'est trop... Ça fait trop... Too much. Pour moi, hein. Mais je me le dis, si tu veux. Oh. C'est ton jean ? Ok, non, c'est celui que j'ai customisé. Bah, j'ai tenté le coup, j'ai essayé, je pense avoir proposé quelque chose qui était à la hauteur. S'il n'a pas envie de partager avec nous et avec moi pour le défilé, tant pis. Donc ce sera sans lui et je pense qu'on s'amusera quand même. Et peut-être qu'à la limite même, ce sera peut-être plus drôle parce qu'il aurait peut-être plombé l'histoire s'il n'avait pas envie de la faire. Coucou, alors juste pour vous dire qu'on va vous faire découvrir ce soir la petite collection. On fait normalement une journée au lieu de 6 mois. Et enjoy, hein. Le défilé, c'était topissime, vraiment génial. Je me suis dit d'autant plus, j'ai vraiment pas envie de partir, quoi. Parce que je vais encore louper des moments comme ça et c'était juste l'éclat total. Christophe a dû faire le maintien, hein. On lui avait rien demandé et il s'est présenté. Pourquoi ? Parce que il fallait qu'il remplace David. David, encore une fois, spectateur, mais surtout pas acteur. On prend le même et on recommence. Et nous, de notre côté, on le zappe. Ah là là. Et tu sais quoi ? Tu imagines si Kelly et Michael restent ? Ce serait bien pour Kelly, catastrophique, sinon de l'autre côté. Tu sais que c'est peut-être ma dernière nuit à la ferme. Oh, je crois pas. Il y a quelque chose de flagrant en fait qui s'est passé ici pour moi. C'est une deuxième naissance pour moi. J'ai compris le fonctionnement de la vie. J'ai compris des choses sur les rapports difficiles entre êtres humains. C'est pour ça que ça va être très très dur pour moi de partir. Si je dois quitter l'aventure. Ça va vraiment être une page qui se tourne et je crois que mon cœur va se briser si je dois partir parce que j'oublierai jamais cette aventure. J'espère du fond du cœur qu'on va rester tous les deux. Ça te ferait pas chier que je parte ? Tu me stresses avec ton histoire. Mais j'ai absolument envie de rester parce que j'ai une âme de vainqueur déjà, dans un premier temps. À partir de là, je me pose pas trop de questions. Pour le moment, c'est la victoire qui m'intéresse. Au fil des semaines, j'ai pris confiance et je me suis dit que je pourrais, conditionnel, ouais, je pourrais gagner. Et si les deux partent, Kelly, David ? Ah, ils vont faire la fête, la mare, il y aura un feu d'artifice à la mare. Hein. Ah, de nous deux, il faut qu'il en reste au moins un. Attends, c'est pas possible, ça. Demain, c'est un match super important
Et personnellement, j'ai peur de ne pas rester dans la ferme des célébrités parce que c'est une aventure et une expérience que j'ai envie de vivre jusqu'au bout. Et je serais vraiment déçu et triste de quitter cette aventure aussi rapidement. Je veux me battre jusqu'au bout pour aller jusqu'en finale et je vais donner le meilleur de moi-même. C'est à vous d'écrire la suite de la ferme célébrité en Afrique. Ce soir, deux des quatre nominés quitteront la ferme définitivement. À vous de voter. Appelez le 3980, envoyez 1 pour David, 2 pour Michael, 3 pour Kelly, 4 pour Francky par SMS, 72-500 et toujours 2000 euros à gagner après tirage au sort. Rendez-vous ce soir dès 22h20 pour un programme extrêmement chargé. Les célébrités devront se préparer aux nominations de la semaine prochaine. Ils seront tous nominés et par deux. Tous les détails dans un instant tout à l'heure. Évidemment, on va se quitter avec les nominés qui ont un dernier message à vous faire passer. Rendez-vous demain, 17h10, pour la prochaine quotidienne. À tout à l'heure pour le Second Prime. Ciao, ciao. Bonjour, je voudrais juste vous dire tous, à tous mes fans et tous les téléspectateurs qui vont voter ce soir, s'il vous plaît, votez pour Kelly. Je voudrais vraiment qu'elle reste. Je pense qu'elle a beaucoup grandi ici et elle mérite de continuer cette aventure. Et je voudrais vraiment que tout le monde peut voter pour elle, s'il vous plaît. Je voulais juste vous dire que j'ai pas envie de partir. Je suis très bien ici à la ferme. J'ai trouvé ma place parce qu'ici, en fait, ça m'a permis de m'épanouir et de vraiment mûrir et grandir et de changer dans le bon sens. J'ai envie de gagner la ferme célébrité. Et si je veux vraiment gagner, il faut déjà que ce soir, je sois... que j'ai le plus grand nombre de votants. Je compte sur vous ce soir, massivement. Ne l'oubliez pas et n'ayez pas peur de voter Francky Vincent. Le fait d'être enfermé avec les mêmes candidats dans la ferme des célébrités, j'ai appris beaucoup sur moi-même et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que j'ai réellement envie de rester jusqu'au bout de l'aventure. Si je pars ce soir, sachez que j'ai pu faire toutes les choses que j'aurais voulu faire ici dans la ferme. J'ai appris beaucoup de choses, je me suis retrouvé et je suis ravi de cette expérience. Et si ce soir je dois partir, et ben, c'est la vie et voilà.